quand on se fait traiter de complotiste. Moi, je ris, je trouve ça drôle. J'ai l'habitude. Alors, c'est un virus fabriqué en laboratoire. Les virus sont fabriqués en laboratoire, ce n'est pas des virus naturels. C'est fabriqué. Et donc, notre organisme n'est pas en mesure de faire face à ça. Des guillotines, il y a quelqu'un qui les a vues passer, là, qui en a vu passer. Ils partent du Canada, ils sont faits ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un camion, j'ai vu, puis il m'a dit, sais-tu ce que j'ai dans mon camion? J'ai des guillotines. Un gars qui venait du Québec, puis qui allait livrer aux États-Unis. Il y a des fours crématoires. Ben oui, écoutez, il faut réduire la population à 500 millions. Et ça va mal finir. Les décisions sont prises au niveau de sociétés secrètes et où les membres doivent participer pour être accueillis, acceptés, doivent participer à des tortures, des viols d'enfants, des tortures et même les manger. Boire le sang, les manger. Alors, réveillez-vous! Réveillez-vous! Quant au Père Noël veut dire, on l'appelle aussi le Santa Claus, et ça veut donc dire Santa pour Satan et Claus pour le démon. C'est donc Satan le démon, c'est Satan le démon que l'on célèbre le jour de Noël. Les banquiers. Qu'est-ce que c'est qu'un banquier? Un banquier, c'est un voleur de profession, par profession. C'est sa fonction, c'est de nous voler. En plus de cela, ils nous prennent de l'usure. Hein? Parce que l'usure, c'est pas anodin. Hein? L'usure, c'est l'exploitation maximale qu'on puisse faire. C'était interdit dans les religions auparavant, absolument, sauf la religion juive, c'est intéressant. Ils me traitent d'antisémite. Ça vous appartient, vous. Alors, d'être traité d'antisémite, rions-en. Et tout ceci va être branché sur une intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui va contrôler les cerveaux de tout le monde et nous dire tout le temps quoi penser, quoi dire, quoi faire. On va penser que c'est nous qui pensons, mais ce n'est pas nous qui pensons. C'est l'intelligence artificielle. C'est donc le contrôle total du cerveau humain par un ordinateur. Oh oui. Alors, on va se retrouver avec des êtres humains qui vont être des robots, pucés et télécommandés. Tout est vibratoire. Et plus on monte en vibration, plus ça devient irrésistible. Oh! Ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Hey, ben c'est sur cette question et cette réflexion que tu nous laisses, Guy. Et ça va mal. Et ça va m'attirer.